Alors sachez que ce brouillage n'a été fait que par ces révélations que la presse était en train de faire, d'abord pour se questionner sur la nécessité, l'utilité et la pertinence de cette mobilisation de fonds, mais parallèlement aussi parler de ces contrats de gré à gré. Pourquoi nous avons enregistré le plus grand nombre de contrats gré à gré? Vous allez tous l'entendre aujourd'hui à travers ce récapitulatif, à travers cette historique que nous allons vous faire. Écoutez très bien. Lisons d'abord ce courrier dont on vous avait parlé la dernière fois, mais sans faire beaucoup de commentaires. Un courrier du secrétariat général du gouvernement adressé à monsieur le président du Conseil national de la transition. Donc lui, dans sa courmance, dans ce recours qui manque, écoutons le contenu de ce courrier. Il a été rédigé le 22 mars 2024, donc plus d'un mois. Et vous savez déjà, le 22 mars, qu'est-ce qui s'était passé il y a quelques jours? Dissolution du gouvernement, plus tard nomination de nouveau PM, et on fait un repêchage de plus de 50% de ceux pour lesquels il y a eu cette dissolution du gouvernement. Le courrier dit le ministre à monsieur le président, parce que vous savez, le secrétariat, c'est comme un ministère. Le secrétariat du gouvernement, c'est comme un ministère. Donc, le ministre à monsieur le président du Conseil national de la transition CNT. Objet, proposition d'amendement de l'article 36 des statuts de la Banque centrale de la République de Guinée. Ça, c'est l'objet de la lettre. Partagez, je vous en prie, le live parce que le peuple de Guinée, de la même façon que nous avions lancé l'alerte avant que cette mobilisation qui entraîne aujourd'hui la fermeture de ces organes de transfert d'argent, Momo, vous avez vu la difficulté qu'ils ont, Orange Guinée, vous avez vu la difficulté qu'ils ont, allez aujourd'hui dans les banques, vous allez voir que les caissiers ont du mal à trouver de la liquidité pour payer. Lorsque nous avons parlé de tout cela, certains ont pensé que c'était de l'acharnement, c'était de l'extrapolation, c'était tout simplement de la diffamation ou de la désinformation, de l'infox que nous étions en train de faire. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de vous faire une révélation. Pour ne pas que ce qu'on vous avait avisé, averti, vous ne l'avez pas écouté, vous l'avez fait. Donc les banques aujourd'hui se retrouvent dans une situation très précaire. Les banques se retrouvent dans une situation de faillite. Et c'est sur vous que ça va tomber. Il y a une pause que je devais faire par rapport à l'incendie. Vous avez vu ces incendies à répétition. Le dépôt de carburant est le plus spectaculaire. Jusqu'à présent, on n'a pas dit qu'est-ce qui a été à la base de cet incendie ou de cette explosion. Parce que finalement, il y a eu incendie, mais il y a eu plus de déflagration, donc d'explosion, que d'incendie. Mais récemment, nous sommes en train d'assister à des incendies. Bases logistiques, de citernes, dépôts de matériel. Récemment de marché, et ce n'est pas un seul endroit, même dans les pays à l'intérieur, il y a des incendies. Ça, c'est sans parler de ces courts-circuits qui provoquent des dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Sans parler de ça, parlons de ce marché central. Comme par hasard, l'immeuble qui a pris feu est l'immeuble qui abrite les cambustes. Ces cambus-là, aujourd'hui, qu'on est en train de presser pour qu'ils sortent de l'argent, qu'on est en train de malmener pour qu'ils sortent de l'argent, parce que la caisse de devises est complètement sèche. Donc, ça veut dire que nous avons encore une révélation à vous faire là, par rapport à cet incendie qui a eu lieu au marché. Quelques jours, la veille avant cet incendie, une équipe DDG qui constitue aujourd'hui l'autre bras armé du CNRD, comme l'ARPT, comme la HAC, comme le sont les casernes de les compagnies mobiles d'intervention, comme le sont les éléments du force spéciale. Tous ceux-ci sont devenus aujourd'hui des bras armés, des prolongements, des outils que le CNRD utilise pour atteindre ses objectifs. Mais continuons la lecture de
Ça, c'est la banque centrale, c'est aussi un autre instrument utilisé par le CNRD pour pomper les caisses, pour faire ce qu'ils veulent. Le CNRD, le CNT, on n'en parle même pas. Mais écoutons le courrier qui n'est même pas long et écoutons ce qu'ils ont fait ici en prélude à ce qu'ils sont en train de vouloir faire sur vous, les Guinéens. Comme on a dit, objet proposition d'amendement de l'article 36 des statuts de la Banque centrale de la République de Guinée. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous transmettre pour examen et adoption, pas pour examen. L'examen n'est que la procédure, n'est que la formalité. Il voulait dire, nous allons vous soumettre pour adoption. C'est ce qui convient parce que nous savons que le CNT, c'est une caisse de résonance. Tout ce qui vient, c'est comme lettre à la poste, ça passe. Aucune objection. Parce que ça fait partie du contrat. En 2022, nous vous avions révélé la façon dont se faisait l'entrevue. Il y avait les fameuses questions. Et la dernière question, c'était que entre l'intérêt de Mamadi et l'intérêt de la nation, lequel des deux vous allez défendre? Tout ce qui avait dit à ma qualité de représentant du peuple, je défends l'intérêt du peuple, ont été carrément ignorés. Ils ont été buffés de la composition. C'est ceux qui avaient été auparavant informés de la réponse qu'il fallait donner, et nous les connaissons tous, au moment venu, vous les savez déjà, parce que vous voyez déjà les activités que ces personnes-là font au niveau de toutes les corporations, au niveau de toutes les organisations. Ceux qui avaient dit en sa qualité, lui, Mamadi Doumbouya, de celui qui était allé à la mort, comme ils disent, celui qui est venu sauver le peuple, que donc son intérêt va au-dessus de tous les autres intérêts. Ce sont ceux-là qui avaient été retenus. Et donc, ils avaient juré tous sur le Coran, pour les musulmans, et sur la Bible pour ceux qui sont chrétiens. Alors, pour leur petite information, ce juron qu'ils avaient fait, cette prestation, cet engagement qu'ils ont pris, n'engage que... Ça n'engage pas. Et devant Dieu, s'ils rompent cet engagement, ils n'auront aucune punition parce que, comme l'a dit la loi, ni n'est censé obéir à un ordre manifestement illégal. Ça, c'est la loi des hommes. Chez Dieu encore, la désobéissance de Dieu ne doit pas se faire pour faire plaisir et obéir à la créature. Comme il dit, nul n'est censé obéir à la créature tout en désapprouvant ou tout en désobéissant le créateur. C'est un hadith qui le dit. Donc ceux-là qui pensent que parce qu'ils ont juré au préalable de faire la fidélité à lui, Mamadi Doumbouya, de lui faire l'allégeance, qu'ils sachent que cet engagement-là est en porte-à-faux, est en violation, est en contradiction au livre saint. Mais ces personnes continuent toujours de penser qu'en étant fidèles à leur engagement, à leur serment qu'ils ont fait, ils sont en train d'obéir Dieu. Non, vous êtes en train de désobéir Dieu parce que vous êtes en train de vous soumettre à des mécréants, à des incultes, vous êtes en train de vous soumettre à des syncrétistes, vous êtes en train de vous soumettre à des animistes, vous êtes en train de vous soumettre à des païens. Donc, ce ne sont pas des personnes religieuses qui le font. En tout cas, tout ce qu'ils avaient fait comme serment, ils l'ont rompu. Ça veut dire que pour eux, ce n'était qu'un théâtre qu'ils avaient fait. Mais continuons. J'ai l'honneur de vous transmettre pour examen et adoption par le Conseil national de la transition l'exposé des motifs relatifs à la proposition d'amendement de l'article 36 des statuts de la Banque centrale de la République de Guinée. Comptant sur votre diligence habituelle, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Ça, ce n'est qu'une formalité. C'est quoi cet amendement de cet article 36? Cet amendement, d'abord, Il casse le verrou pour le plafonnement d'un montant qu'une banque centrale doit emprunter ou bien faire emprunter. C'est un. Deuxièmement, vous avez tous suivi le montant qui a été mobilisé, cette réquisition des banques qui avait été faite entre le mois d'octobre et le mois de novembre dernier, pour nous, dit-on, faire face à des chantiers, à des infrastructures. Vous allez écouter aujourd'hui, qu'est-ce que lui, il avait dit, Moussa Cissé, ministre de l'économie et des finances à l'époque, si je ne m'abuse, qui est en train d'aller vers la SONAP, et vous allez encore écouter le reportage, l'enquête de Thomas,
ce qu'il dira par rapport à cette collision qui est là-bas, pourquoi c'est lui qui a amené là-bas, pourquoi l'avoir d'abord enlevé de ce ministère alors qu'il était en train de faire son travail conformément à la volonté du CNRD. Cet amendement qui a été fait, c'est une sorte d'astuce que le CNRD fait. D'abord parce qu'ils n'ont pas été à mesure de payer la dette, cette réquisition qui avait été faite, l'échelonnement, donc il y a une durée. Lorsque vous vous empruntez, il y a une durée. Cette durée, désormais, elle a été déplafonnée. Ensuite, le montant a été déplafonné. Donc, il y a eu des amendements, comme ils ont dit. Ils n'ont pas changé l'article en tant que tel. Ils ont fait un amendement. La question de l'intitulé, c'est qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ça et quelles seront les conséquences. Mais avant d'aller à ces conséquences, essayons d'abord de savoir qu'est-ce qui avait été annoncé. Parce qu'il y a encore une autre mobilisation qui se fait. C'est ça la prélude. Cette prélude, c'est du fait qu'ils ont d'abord procédé à la première étape qui consiste d'abord à remettre au plus tard le paiement de l'échéance qui est arrivé à maturité. Et lorsque nous avions dit que ceux qui ont pris cet argent-là n'auront que leurs yeux pour pleurer et que la population doit aller retirer l'argent de ces banques, c'est lorsqu'ils ont fait cette panique-là, lorsqu'ils ont compris que nous allons informer la population, la vérité, en ce moment, ils ont coupé l'Internet. Donc, lorsque Tola avait dit que l'Internet a été coupé à cause de nos révélations, les uns avaient pensé que ce n'était pas vrai. Vous allez voir, avec cette alerte que nous allons faire encore, ils vont vous replonger. Et nous, c'est notre intention, hein, c'est notre but. Parce que encore en replongeant le pays dans ce trou, de nouveau, ils vont eux aussi prendre les coups. Ils vont eux aussi prendre le contre-coup de ce qu'ils ont fait. D'abord sur le plan financier. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux sociétés de téléphonie. Aujourd'hui, même le leader Orange a des difficultés. D'abord, vous le constatez au niveau des appels téléphoniques, ils ont du mal. Ensuite, Orange Money, qui est une filiale de Orange Guinée, donc la compagnie de téléphonie, ils ont du mal à trouver de la liquidité, à fonctionner. Allez dans les banques primaires, essayez de faire un versement, vous allez trouver qu'ils ont de la connexion, mais essayez de faire un retrait. Et l'argument qu'ils vous diront, si vous nous confiez l'argent vers le soir, nous avons la connexion. Et pendant la journée, ils disent que la ligne est saturée pour faire un retrait. Parce qu'ils savent qu'après la fermeture, personne ne viendra faire un retrait. Mais l'argent que vous avez déposé, ils vous donneront un reçu. Ils vous feront un reçu, un bordereau de versement manuel. Ils vous diront que l'argent sera dans vos comptes. Vous allez consulter votre solde. Vous allez voir que l'argent a été versé parce qu'ils veulent plus de versants, de personnes qui vont verser. Donc plus d'entrées d'argent que de sorties. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Et là, ils ont d'abord procédé à la première étape qui consiste à modifier l'article 36 pour leur permettre d'abord de repousser l'échéance qui est arrivée à maturité. Ils n'ont pas d'argent pour payer, mais aussi d'emprunter. Et c'est quoi cet emprunt? Après la fameuse mobilisation qui a pu avoir 500 000 milliards de dollars, de francs guinéens, donc 500 millions de francs, de dollars pour faire simple, parce que je suis plus à l'aise avec les devises, le CNRD envisage d'emprunter selon ce qu'ils pourront faire, si toutefois la liquidité est là, entre 800 millions et 1 milliard. Nous vous l'avions dit il y a quelques mois déjà, avant que cela n'arrive. Écoutons maintenant, puisque l'argument qui sera donné, c'est encore de parler de cette difficulté financière due à la COVID-19, l'inflation mondiale, tout ce qui s'ensuit, ils nous parleront de tout ce charabia, mais en réalité, vous allez comprendre, c'est tout autre. Écoutons maintenant lui, Moussa Cissé. Je vais voir il y a combien de minutes, ça fait 1h14 minutes depuis que nous avons commenté. L'audio durera 20 minutes, 19 à peu près. Nous allons faire 3 pauses au cours de cet audio pour vous faire d'abord une vérification de ce qu'ils ont dit à travers un chantier qui est en souffrance. Mais aussi la mobilisation d'argent, cette pratique que font certains gouvernants en empruntant de l'argent, en ramassant de l'argent avec les cambus, avec donc les opérateurs économiques, trouver une sorte de caisse d'argent qu'ils montreront à ces institutions de Bretton Woods lorsque ces institutions viennent à leur habitude faire une sorte de contrôle, une sorte d'inspection. S'il faut le dire. Écoutons ce que lui, Moussa Cissé, avait dit.
C'était au mois d'octobre, plus précisément aux alentours du 4 octobre 2000, 2023. Écoutons-le. Pendant qu'il est 9h, presque 15, le ministre Moussa Cissé, ministre de l'économie et des finances, est en direct d'Amirador. Bonjour, monsieur le ministre, bienvenue chez nous ce matin. Bonjour. Merci. Bonjour à tous nos fidèles auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Talib Ibari. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. La question économique qui domine les débats, c'est en tout cas, affaire de 5 000 milliards de francs guinéens que l'État a décidé de lever auprès des banques primaires de la place. Expliquez-nous à quel besoin cela repose. Voilà, en quoi consiste justement cette opération. Bien. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aux fidèles auditeurs. Encore une fois, bonne fête de l'indépendance à la Guinée. Merci bien, bonne fête à vous également. Comme la mobilisation de tout le monde, de la presse, pour donner cet événement à l'ampleur que vous avez vu à la télé. Tout le monde. Je suis avec le gouverneur de la Banque centrale pour répondre aux préoccupations et éclairer nos concitoyens sur ce que nous faisons dans le cadre de la refondation d'État, de l'assemblement, mais aussi pour le développement. Alors, très rapidement, on va être méthodique parce que nous parlons pour les fidèles auditeurs pour qu'ils comprennent, comme je l'ai dit, en français facile. Qu'est-ce que ça veut dire la levée de 5 000 milliards? Vous avez le budget 2023, notamment la LFR, qui est constitué de recettes et de dépenses. Au titre de ces recettes, nous avons 29 000 milliards en prévision. Et pour les dépenses, vous avez 37 000 milliards. La différence entre les recettes et les dépenses, il se dégage 8 000 milliards de déficit pour avoir un budget en équilibre. Les 8 000 milliards-là, c'est ce que nous est autorisé par la loi de finances au ministre de l'économie et des finances pour pouvoir mobiliser le financement sur le marché pour contribuer au financement du CPP. Parmi les mécanismes qui sont prévus par la loi, vous avez les obligations du trésor. Dans le montant prévu pour cet exercice est de 7 milliards. Je me fais comprendre. Une question de pédagogie. Oui, bien entendu. Recette, 13 000 milliards. Oui. Dépenses, 37 000 milliards. Oui. Et ce dégage, écoutez bien les chiffres. Et pour financer ce déficit de 8 000 milliards, le ministre de l'économie des finances est autorisé à recourir à plusieurs instruments, dont les obligations du trésor. Et dans cette même loi de finances explicative, au titre des obligations du trésor, il était prévu de mobiliser 7 000 milliards. Et parmi les 7 000 milliards, il y a 1 600 milliards qui ont déjà fait l'objet de mobilisation par le même mécanisme. Et le complément, en cours de mobilisation, nous avons émis auprès des banques le souhait de mobiliser 5 000 milliards. Donc 7 000 plus 1 600, ça fait. Écoutez bien les chiffres, hein, parce que nous allons revenir sur ces chiffres tout à l'heure. Donc il se dégage, aujourd'hui, une mobilisation à hauteur de 94% des 8 000 milliards prévus dans la loi de finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est une activité qui est normale et légale. D'accord? Oui. Parce que quand vous faites le budget, le déficit budgétaire, c'est le solde négatif qui se dégage du budget. Et le solde négatif là, qui se dégage, qu'on appelle le déficit éthique, qui correspond à 8 000 milliards. Et les 8 000 milliards, quand on les mobilise au titre des ODT, c'est affecté entièrement au financement des investissements, c'est-à-dire des infrastructures. Parce que nous sommes un gouvernement essentiellement orienté vers les infrastructures. Et c'est à ce titre-là que cette mobilisation a été effectuée dans le cadre de la loi et en toute transparence avec les banques. Nous le faisons depuis un moment. Pour le financement de la cité administrative à Coloma avec les banques, nous avons levé environ l'équivalent de 2 000 milliards sur le même mécanisme. Dans le financement des infrastructures du budget de l'État, c'est le même mécanisme que nous avons utilisé. Donc, en réalité, c'est une opération normale. Voilà. Vous avez entendu jusqu'ici les chiffres, hein? Les chiffres qui donnent du tournis. Pourquoi la première pause ici? C'est pour faire une sorte de retour dans le temps. Vous savez, ce qui nous trompe le plus souvent, c'est que l'administration, c'est une continuité. Mais l'analyse des faits politiques sont séquencées. Lorsqu'un fait se produit en 2023, on le prend comme un fait qui est venu du ciel pour 2023, alors que ce fait a ses origines en 2022, un fait de 2024 a ses origines en 2023, comme il peut avoir ses origines en 2022, comme il peut avoir ses origines même en 1958. Pour le commun des mortels, chaque fait séquencé est pris de manière indépendante et de manière séparée. C'est une erreur que nous faisons. Parce que les gouvernants, en réalité, surfent sur le fait qu'on ne fait pas un lien entre ce qui est en train de se passer aujourd'hui à un fait précédent pour prédire ce qui va arriver. Et là, nous sommes dans une sorte pas de navigation à vue, mais dans une sorte de quotidien. À chaque fois, nous faisons face à ce qui arrive et on le fait comme si c'est un fait nouveau.
Lorsqu'en 2023, ils étaient en train de convaincre l'opinion que cette mobilisation vise à faire face à des chantiers, à des infrastructures d'intérêt national, les gens avaient applaudi, pour certains. Ceux qui n'avaient pas applaudi avaient toléré, estimant que si tel est le cas, alors accordons-leur le bénéfice du doute et laissons-les aller, parce que les infrastructures, nous en avons besoin, que ce soit pour l'électricité, que ce soit, et ça, c'est bien avant l'explosion du dépôt. Donc, à l'époque, c'était le rond-point de Bambeto, c'était ces ponts, c'était ces chantiers, c'était ces bâtiments à usage commercial ou bien ces habitants à usage, disons, social pour ces logements sociaux. C'était ça qu'on nous faisait miroiter. Si toutefois l'argument ou la raison évoquée pour faire cette mobilisation, c'est pour faire face aux chantiers, et Dieu sait que les routes sont parmi ces chantiers prioritaires, les barrages hydroélectriques, vous avez tous ce qui s'était passé avec l'OMVS lors de cette réunion entre la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Vous avez tous vu la frustration et cette menace de la Guinée qui avait menacé de se retirer avant que finalement qu'ils essayent de colmater les brèches. Écoutons maintenant un chantier. Nous n'allons pas parler du chantier de Nongo. La Guinée a été disqualifiée pour l'organisation de la CAN, alors que cette CAN-là faisait partie de ses priorités. D'ailleurs, on avait érigé l'organisation de cette CAN-là comme étant un intérêt national. C'était un projet d'intérêt national. Ça n'a pas empêché que la Guinée soit disqualifiée. On a attribué l'organisation à un autre pays. Nous n'allons pas parler de ça. Nous n'allons pas parler de ces autres chantiers à Conakry qui sont en souffrance. Allons dans la ville même d'origine du président de la transition, le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, et écoutons ce qui est en train de se passer dans cette ville-là. Écoutez. Je l'ai dit à l'entame, quand les premières pluies ont fait des dégâts, beaucoup d'inondations, les travaux routiers ont été pointés du doigt. Comment tout cela se passe aujourd'hui sur le terrain? Et en ligne, Cheikh Mohamed Kaba, il est journaliste à Douma, à Kankan. On va donc partir sur le terrain. Cheikh Mohamed Kaba, bonsoir. Bonsoir, M. Kondé. Bonsoir. Merci à toute l'équipe et bonsoir aussi à ceux qui nous suivent en ce moment sur Douma FM et Douma TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'hivernage proprement dit n'est même pas arrivé. On a enregistré des inondations dans certains quartiers. Dites-nous quels sont les quartiers touchés et comment on en est arrivé là. D'abord, je vous rappelle, Nankoda fait partie des quartiers de Kankan, situés au bord du fleuve Nilo. Et c'est des quartiers qu'on appelle des quartiers riverains. Nankoda, Salamani et Enafi. Allô? Oui, on vous entend, on vous écoute. Et voilà, et si on vous parle souvent des inondations ici, pendant des saisons de pluie, la raison fondamentale, c'est que quand il pleut sur Kankan, des eaux de ruissellement, des quartiers du centre-ville se dirigent vers le quartier Banakorda, malgré qu'il n'y a pas suffisamment de caniveaux. Donc, pour ces cas présents... Prière d'envoyer les cœurs parce qu'ils sont en train d'attaquer le live. On était tout à l'heure à 1700, puis de 1700, là on est descendu à 1376 parce que ils ont coupé l'internet d'abord de ceux qui sont en Guinée. Et vous savez qu'ils sont nombreux. Ceux qui sont en Occident, ils se font tard, on sait, mais cette chute brusque de 1700, on se retrouve à 1300. Ça veut dire qu'ils ont attaqué le live. Donc, une des pages certainement qui a fait la synchronisation, le cross-postage, a dû être affectée. Ils l'ont signalé. C'est des choses que nous allons régler. Nous sommes habitués maintenant à ces réclamations. Après, on se justifie. Qu'est-ce qui a fait ceci? Qu'est-ce qui a fait cela? Dimitri et Sergueï sont en train de travailler là-dessus, en ce moment, pendant que nous sommes en train de faire ce live. Mais prière d'envoyer les cœurs pour sécuriser le live. Faites des commentaires positifs pour que l'algorithme, la machine, le robot comprenne que contrairement à la signalisation qu'ils sont en train de faire, donc à ces rapports qu'ils sont en train de faire de dénonciation de nos lives, nous ne sommes pas en train de véhiculer des propos haineux, nous ne sommes pas en train de faire de la diffamation, nous ne sommes pas en train de faire de l'intoxication, au contraire, nous sommes en train de faire des révélations et des révélations citoyennes afin de réveiller les consciences, afin d'informer la population de ce qui est en train de se faire. Pour défendre la démocratie, les droits de l'homme, c'est ce que nous faisons. Nous allons faire même un disclaimer bientôt, donc une sorte de précision par rapport aux organisations que nous représentons. Donc, envoyez les cœurs, tapotez les cœurs,
faites un partage des lives. Lorsque vous sentez que ça réduit, partagez encore, boostez le live pour qu'on puisse faire profiter au maximum de Guinéens. Vous voyez, ça montre, nous sommes à 1410, ça montre parce que vous avez fait les likes. Quand vous faites les likes et les cœurs, l'algorithme va réduire la restriction, ça va montrer le live et ça va permettre que d'autres personnes entrent. Donc, tapotez les cœurs, vous voyez, ça monte. Parce que ceux qui sont en Guinée, lorsqu'on les bloque, d'avoir accès, allumons le moteur, boostons pour que le maximum de Guinéens puissent savoir ce qui est en train de se tramer. Je vous ai dit, lorsqu'on a fait l'annonce, ça a tremblé au palais, ils ont paniqué, ils ont activé leur artillerie. Pour attaquer le live, il était même question qu'on ne puisse pas passer. On est passé quand même malgré tout et ce sont les deux pages qui sont en train de partager. Donc, envoyez les cœurs, partagez au maximum. N'ayez pas honte, n'ayez pas de gêne. C'est votre façon aussi de participer à cette lutte-là. C'est votre façon aussi de lutter contre l'injustice du CNRD. C'est votre façon, vous aussi, de mettre le CNRD en difficulté parce que c'est inconcevable que cette minorité, que cette poignée de personnes viennent détourner notre richesse, brader notre pays, le confier à des personnes qui sont de moindre valeur, des personnes qui ont une conscience très faible, qui ont une probité très faible, c'est inconcevable. Donc, tapotez et envoyez les cœurs. Allons-y. Parce que je vais d'abord vous rappeler, avec ce projet présidentiel, c'est-à-dire le bitumage des routes du quartier et la réalisation des caniveaux par le président, pour les citoyens, ce projet va être un hausse de soulagement pour les citoyens du quartier Branbourga. Mais présentement, avec ces premières pluies, le constat vraiment n'est pas appréciable. Pour ce cas présent, c'était avant-hier, dans les environs, c'est-à-dire entre 2h du matin et 5h du matin, nous avons constaté la présence de la pluie. Donc, au petit matin, dans les familles, dans presque tout le quartier, nous avons constaté le développement des eaux de ruissellement qui ont envahi même des maisons, des chambres, des salons, des cuisines. Donc ces citoyens, vraiment aujourd'hui, n'apprécient pas non seulement les travaux déjà réalisés, mais constatent que l'entreprise en charge de l'exécution des travaux sur le terrain ne roule pas bien. Les raisons évoquées pour le moment, c'est-à-dire vous allez constater ici au quartier de Branbourga, les routes déjà faites par l'entreprise, il y a par endroits. Où les deux côtés, où on voit les deux côtés, déjà il y a des caniveaux, mais par contre, il y a des routes où il n'y a qu'un seul caniveau. Donc, c'est pas facile, et ces caniveaux aussi ne sont pas encore finis, et ça, par endroit, c'est fini, par endroit, c'est pas fini. Donc, il y a même des routes qui n'ont pas les caniveaux. Donc, ça, tout ça, là, c'est des conséquences sur les populations, sur les citoyens qui sont en train de traverser. Parce que hier, nous avons interrogé quelques citoyens qui ont presque passé toute la journée en train de nettoyer leur maison. Ils ont dit vraiment qu'ils n'apprécient pas parce qu'avant, il y avait même des caniveaux. Mais dès le début des travaux, l'entreprise a jugé nécessaire d'abord de fermer ces caniveaux pour faire ses propres caniveaux. Donc aujourd'hui, l'inquiétude est grande au quartier Branbourga. Et on constate aussi un peu le retard dans les travaux. Les travailleurs passent plus de temps au repos au travail. Et selon nos sources d'information, c'est des gens qui peuvent faire des choses. Allô? Oui, on vous assiste, allez-y. Voilà, ce sont des travailleurs qui peuvent passer des mois sans salaire. Et souvent, on pense aux expatriés qui sont dans la petite société. Et ceux qui sont récupérés chez nous, c'est des gens qui peuvent passer des mois sans salaire. Donc, c'est par cette frustration qu'ils sont obligés parfois d'abandonner le travail. Même si ils ne manifestent officiellement rien, mais ils manifestent cela sur le terrain. Donc, il n'y a pas assez de motivation. Au départ, on constate vraiment les travaux, tout s'est passé bien. Mais maintenant, là, je vois quand même que selon la même source, quand le président est venu pour un séjour, à l'occasion de la fête, quand il est venu, il a fait un constat, il a fait le tour du quartier. Il a constaté que vraiment les travaux ne voulaient pas bien. Il a même essayé de contacter l'entreprise en charge de l'exécution des travaux. Il n'était pas satisfait. Il a même demandé à une autre société, à une autre entreprise, de venir s'en charger désormais de ce qu'on appelle des travaux. Mais il a fallu l'intervention des chefs, mais aussi des ressortissants. Donc l'entreprise a repris les travaux, mais jusqu'à présent, c'est sûr, il n'y a pas de satisfaction.
parce que non seulement les travaux ne bougent pas vite, mais on constate vraiment, parce qu'on constate vraiment sur le terrain, vraiment la lenteur. Oui, ça, on l'avait déjà expliqué dans cette émission. Après le passage. Les travaux déjà réalisés ne sont pas d'abord à la satisfaction de la population. Il faut dire que c'était l'année dernière. Voilà. Faisons une pause ici et expliquez ce que le reportage nous révèle. Vous avez écouté l'argument brandi, la raison évoquée par le CNRD, parce que le gouvernement c'est aussi le CNRD. Lui, Moussa Cissé, il avait dit qu'eux, ils sont un gouvernement orienté vers les infrastructures, même si ce n'est pas ça la priorité d'une transition. La transition doit organiser des élections, hâter les pas pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le CNRD ne fait pas de ça une priorité. Le CNRD, au lieu de faire une transition, ils veulent faire un mandat. Mais au-delà même du mandat, ils veulent confisquer le pouvoir et faire une sorte de passe-passe. Ils veulent confisquer ce pouvoir-là et prendre ce pouvoir et le passer à un autre qui va continuer ce qu'eux, ils ont commencé. Ça déjà, c'est l'annonce du premier point. Le premier point consiste à vous dire que c'est ça le projet. Maintenant, pour le faire, il faut qu'ils atteignent, pour atteindre cet objectif, ils doivent passer par certaines voies. Ces voies sont, entre autres, de détourner l'attention du Guinéen et faire croire que eux, en l'espace de quelques mois, ils vont faire ce que d'autres n'ont pas fait en 50 ans, en 60 ans. C'est une erreur, c'est un leurre. Les transitions, déjà, quand il y a un coup d'État, de facto, on suspend les aides envers le pays. Et donc, le phénix disparaît et c'est finalement les quelques aides qui vont en faveur de la population, ce qu'on appelle les aides humanitaires, ou bien, mis à part ce que la France est en train de faire aujourd'hui à travers ses lobbies, de soutenir la transition en leur octroyant des prêts, des aides, des dons, mis à part ça, normalement, lorsqu'il y a une transition, c'est la dèche qui commence. Ensuite, avec la transition, les militaires, vous voyez, il n'y a pas de projet. C'est des gens qui viennent des casernes, qui viennent des frontières, qui s'emparent de pouvoir, sans forcément avoir d'expérience, et c'est le vol qui commence. Ce sont les détournements, ce sont les trafics de stupéfiants et autres. Le samedi prochain, nous allons vous faire un live et nous allons vous montrer, faire un parallèle entre la Guinée et l'Haïti. Et vous allez comprendre pourquoi le plus vieux pays noir a accédé à l'indépendance et le plus vieux pays de l'Afrique occidentale française a accédé aussi à l'indépendance. Quels sont les points communs entre ces deux? Et pourquoi ces pays-là sont des pays à perfusion? Pourquoi ces pays-là sont des pays instables? Nous allons vous faire aussi ce parallèle. Nous allons vous faire un compte-rendu. Nous allons vous faire des révélations par rapport à qu'est-ce qui fait que l'Haïti et la Guinée, ce sont des pays, l'un de l'Haïti, des Antilles, l'autre de l'Afrique, pourquoi ces deux pays-là ont des similitudes, pourquoi ils ont des destins qui se ressemblent, pour qu'on évite à la Guinée ce qui est en train de se passer aujourd'hui. En Haïti, où ce sont les gangs qui sont en train de gouverner, un pays ingouvernable d'ailleurs. Vous allez le voir le samedi prochain. Mais pour revenir au live d'aujourd'hui, par rapport aux révélations que nous voulons faire, lui, Moussa Cissé, il indique que la priorité, ce sont les chantiers, ce sont les infrastructures. Et là, vous avez écouté un chantier en souffrance du côté de Cancan et dire que Cancan, c'est l'une des plus grandes régions de la Guinée. Certains disent que c'est la plus peuplée. À vérifier. Si c'est le cas, tant mieux. Mais c'est la ville qui a vu naître le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Et dans ce reportage, ce que le journaliste dit, c'est que déjà les toutes premières pluies, nous sommes au mois de mai, habituellement quand nous étions à l'école, le mois de mai était connu pour être un mois de l'hivernage. Sauf qu'avec le dérèglement climatique, la pluie commence désormais vers le mois de juillet, juin, juillet, août, en tout cas le mois d'août, c'est sûr que c'est le mois où il pleut en abondance. Là, le reportage nous dit que déjà les toutes premières gouttes, l'inondation commence à avoir le jour. Pourquoi? Parce que les quartiers riverains au fleuve Milo, les eaux de ruissellement rencontrent ceux du fleuve, finalement le niveau d'eau monte et ça rentre dans les maisons. Ce n'est pas la première. Au temps de M. Alpha Condé, il y a eu aussi une inondation, c'est quelque chose de connu.
c'est pas une façon de les dédouaner, mais une façon encore de les embourber pour dire que s'il y a un chantier, le chantier doit tenir compte de cela. Et c'est ce que justement le projet a fait. Les études, pour avoir parlé avec certains responsables de la compagnie qui est en train d'opérer là-bas et dire que cette compagnie, c'est une compagnie des ressortissants justement de la Haute-Guinée, une deuxième raison pour que ce chantier-là soit pris en priorité. Et dans ce reportage, on nous fait comprendre que il y a eu ce qu'on appelle une réduction des travaux. Pourquoi? Faute de moyens. Des routes qui doivent avoir des caniveaux de part et d'autre, c'est-à-dire des deux bords de la route. Il dit que par endroit, il y a les deux caniveaux. Par d'autres endroits, il n'y a qu'un seul côté de la route, alors que ça doit se faire des deux côtés. Et il dit que par même d'autres endroits, il n'y a même pas de caniveau. Pourquoi? Parce que finalement, ils ont dû compresser le budget pour que les travaux puissent aller. C'est d'abord la première information. La deuxième information, c'est qu'avec les dégâts qui sont en train de s'observer ça et là à cause de ce mauvais travail, certains travailleurs ont été interpellés. Et des indiscrétions ont ressorti que ils peuvent passer plusieurs mois, en tout cas pour les locaux, sans avoir leur salaire. Si maintenant il y a une mobilisation de 500 millions de dollars, au mois d'octobre, novembre, déjà au mois de mai, c'est-à-dire 7 mois après, comment se fait-il qu'un chantier qui était en souffrance depuis l'an dernier, parce que quand il dit que Mamadi Doumbouya, avec les fêtes tournantes, quand il était allé pour la Mamaya de Cancan, aux alentours du mois de juillet, le chantier était déjà en souffrance. À tel point qu'il a menacé de retirer l'opération, l'exécution du chantier de cette compagnie, pour la remettre à une autre société, mais il a fallu l'intervention des sages. Quels sages? La notabilité de Cancan. Cette même notabilité qui était venue le voir à Conakry quand il avait fait le coup d'État le 5 septembre contre M. Alpha Condé, ce sont les mêmes qui ont encore fait de l'influence, qui ont usé de l'influence sur lui pour lui dire tu ne peux pas du tout retirer le contrat à ton frère, à ton parent. Ce n'est pas une façon de jeter l'opprobre sur les autorités morales ou la notabilité de Cancan, non. C'est pour vous dire que cette notabilité qui a eu cette capacité, ce pouvoir de faire la pression sur Mamadi quand il avait déchu M. Alpha Condé, cette même notabilité qui a fait la pression jusqu'à ce qu'il a permis à M. Alpha Condé de sortir, d'aller se soigner, s'il y avait de l'argent réellement, cette même notabilité qui a permis de repêcher une compagnie ne pouvait pas lui faire la pression pour que le chantier là soit prioritaire? Cette même notabilité qui a fait de la centrale électrique de Cancan une priorité pour le carburant, jusqu'à ce qu'un chauffeur qui était en train de conduire le carburant en urgence pour ne pas que le stock manque au niveau des DG Cancan, cette même notabilité, pourquoi elle n'a pas usé de cette même pression pour que de l'argent soit débloqué à la fois pour la localité d'origine du président de la transition, mais aussi pour une compagnie dont le directeur ou le propriétaire est issu de cette même région. Nous insistons sur ces faits. C'est pas pour jeter l'opprobre ou bien pour en fait mettre à mal ces personnes originaires de cette région de la Haute-Guinée, non. C'est pour ressortir l'importance et la place qu'aurait pu occuper un tel chantier si toutefois il y avait de l'argent. Mais devant l'impossible, nul n'est tenu. On dit que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Les gens ne savent pas ce que cela veut dire. Elle ne peut offrir que ce qu'elle a, c'est-à-dire que sa beauté, c'est ce qu'elle a. Elle ne peut pas faire pleuvoir de l'argent. Elle ne peut pas faire pleuvoir de la pluie. Elle ne peut pas faire des miracles. Elle ne peut offrir que ce qu'elle a, c'est-à-dire sa beauté. C'est ce qu'elle a. On ne peut pas lui contraindre à faire un enfant, par exemple. Si toutefois, elle n'est pas du tout fertile, elle ne fera pas d'enfant. Voilà pourquoi on dit que la plus belle femme au monde ne peut offrir que ce qu'elle a, c'est-à-dire sa beauté, c'est ce qu'elle a. Elle ne peut pas être Albert Einstein, elle ne peut pas être la plus intelligente, elle ne peut pas être la plus riche, elle n'a que sa beauté là. Si toutefois elle a autre chose que sa beauté, elle peut l'offrir. Donc le CNRD, malgré sa volonté à faire du chantier de Cancan une priorité, comme ils ont fait pour l'électricité,
à travers cette centrale thermique, mais ils ne peuvent pas le faire pour les chantiers. But wait a minute. La mobilisation de 500 millions, ce n'était pas pour ces chantiers-là. Pourquoi on a sorti ce chantier en particulier? C'est pour que les gens sachent qu'il n'en est rien. Le CNRD a mobilisé cet argent, pourquoi? Et c'est ce que vous devez savoir. Pour payer les fonctionnaires, payer les dotations, payer le carburant, parce que justement, ils sont en train de pomper nos caisses pour avoir du carburant du côté du Sénégal. Ils sont en train de pomper nos caisses pour avoir de l'électricité toujours du côté du Sénégal. Ils sont en train de pomper nos caisses pour alimenter et équiper cette armée-là. Plutôt que d'avoir des équipements pour la protection civile, plutôt que d'avoir des équipements pour nos hôpitaux afin que les gens arrêtent d'aller à l'étranger pour se faire soigner, plutôt que d'équiper nos hôpitaux pour qu'on ait des ambulances afin que des personnes accidentées qui sont des sinistrés d'incendie ne puissent pas mourir faute d'évacuation ou bien d'accélération de leur évacuation pour atteindre les centres hospitaliers, plutôt que de le faire, le CNRD procède à outre. Mais continuons d'écouter cet audio-là avant d'aller vers la fin, parce que lui, il est en train de parler de cette mobilisation. Écoutons encore une autre pratique avant d'aller vers l'incendie qui s'est déclenché le jeudi, à travers la pratique que font les gouvernants en allant avec les cambus qu'ils menacent. D'ailleurs, les banques sont alimentées par les cambus. Vous voyez le taux de change officiel. À l'extérieur de la même banque, vous sortez au dehors, vous trouvez des cambus qui vous vendent les devises-là à un taux plus élevé. Pourquoi? Parce que l'argent qui est utilisé dans le caveau de la banque est de l'argent en réalité confié par ces cambus-là. C'est-à-dire, le cas guinéen, c'est juste incroyable. C'est l'un des pays où la population est plus riche que l'État. D'ailleurs, c'est trop dit que dise la population, parce que la population, c'est un amas, c'est beaucoup de personnes. C'est un pays où un particulier est plus riche qu'un État. C'est la Guinée. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques d'un pays en corruption. Un pays en faillite, c'est lorsque la population est plus... Parce qu'on dit que si l'État est fort, il nous écrase. Lorsqu'il est faible, on périt. Et c'est ce qui est en train d'arriver à la Guinée en ce moment. Vous avez vu les témoignages de ces victimes qui vous disent les sommes d'argent qu'ils ont perdues. Allez demander l'État combien ils ont dans les caisses. Et pour cela, écoutons ce que lui, Moussa Cissé, va dire à cette délégation du FMI, de la Banque mondiale, de toutes les institutions que vous connaissez, qui étaient venues au mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui s'était dit avec eux? Écoutons d'abord une question que Mamadouri va poser à lui, Moussa Cissé. Et dans cette question, il va donner une réponse et nous allons retourner au mois de juillet lors de la rencontre. Vous allez écouter la doléance qu'il fait, la demande qu'il fait à l'endroit de ses émissaires, de ses institutions par rapport aux besoins de la Guinée et à la difficulté, mais aussi les défis auxquels la Guinée sont confrontés. Écoutons-le. Et c'est à cet exercice qu'on se livre ce matin et auquel vous êtes prêté ce matin, en tout cas à travers notre émission. Et ça nous fait plaisir et je pense que ça aide, ça contribue à la compréhension. Oui, Mamadoui. Alors, monsieur le ministre, l'inquiétude des observateurs face à cette démarche, ce n'est pas que ceci est une invention du CNRD, c'est une pratique qui se fait dans le milieu financier, mais la question nodale, est-ce que la solvabilité de l'État permettra justement de rembourser les banques primaires à un délai qui sera conclu entre le gouvernement et les banques primaires quand les 5 000 milliards seront libres? Gentite do mo yami wala kum parti undo ipula. Makiti o Madina sumi. Ado makiti Madina on sumu de. Depo EDG ari sumi. Depo auto je carburant ari sumi. Depo carburant on tigi ari sumi. E yewtino fi dun don kondum hupinge yite don. Ko be habino kon be hebali. Be yebe toro iki MP partout. Be hebali. Be wulli, be jauri, be joldi, be hebali. Be wadi mobilisation di mbudi di anno don di mois d'octobre. Ado deja depo on fetude. Mbudi hebi di non be wiko fi mo ingol tarawje.
on heɗi tike do audio ko feɗɗi kankan ka tawata ndiyan saaji tun ɗate maɓɓe ɗen fo heewi. Journalist yon andini no woodi wonɓe gollande kaba guiter ɓe ala ka yoɓede. Ko expatrié ɓen tu wona yoɓede, lokkoɓɓen ala ka yoɓede. Kamɓe kadi noon ka hollugol yimɓe kankamɓe ɓe ala mbuuɗi, ɓe tewi pas ɓe waɗi golle tawɗe ko kanko tigi wi he mbuuɗi ɗuuɗa kanko ma andi ton noon saare kankan nden ko ɗon o jibina. Chantier no duwa no waɗede en priorité. Si oɗo non chantier waɗaka priorité yehi hata e golloɓɓen koye ɓe hollu kamɓe kadi mettede maɓɓe nden. Par ce que ko sendi hotu guine e fuuta ma e leƴƴi luttuɗɗin kamɓe si innama an bansalle ko enen on ɓe yurmodiray kamɓe haysi goɗɗum no waɗi ɓe yurmodiray hakkundeji maɓɓe. Ɓe teddini mawɗo, ɓe teddini haala wowlaka. Journaliste yon andini rowani ka ɓe yawno juulugol julde donkin nden. O arno tay golle ɗen no retardude, o menage o jatta e contrat on juuɗe kaba guiter. Finalement o jonna goɗɗo go kono notabilité kooɓe ɓe mawɓe ɓen kankan noddimo inita waɗu ɗum. Ɓe inni accutu o ɗo continua. Joni noon ɓe mobilisé ɗi mbuuɗi mois d'octobre après ka feeto ngo waɗuno kankan ton. Nde nokkure no duwa no waɗede en priorité par ce que go'o go'o ko ɗon o iwi. Ɗimmel muɗum ko iwɗo e région kankan on jonna golle ɗen. Sabu ɗiɗo ɗiɗi no duwa no waɗede en priorité si mbuuɗi heɓinoke ko ɓeeɗo duwa no atede jonnede en priorité. Min holli on ɗo no wondema konko ɓe hunani no mbuuɗi yo ɗi tore. Na ɗum wona waɗede fes ko autre chose. Min ekkutini on ɗo ko ɓe waɗi révélation wondema ɗate go'o aye foosiwol no woodi nano e ñaamo. Nokkeli go yiyan ko sengo woto tungoya sengo ala nokkeli go fose ala few joni non kankan na e ngal do ndiyan nan taw haydan fuddaki go taw ndiyan nan tan tobu tun taw deja nokkure je dim fuddike hewude cuudi yimbe be ndiyan dan bimbi si weti ko be jogudam be yaltina fewno be si alfa konde kanyun kadi sifa on inondation wadono ndiyan dan dan hewa hadan yola cuudi si santie non no wadede o tenay konti e ɗum ɗon e ma'anande mo golle ɓe anditay a ngo hoɗo ɗo ko takko ndiyan ɗan woni donc nde ɗen waɗa golle en waɗay yo taw ndiyan ɗan siɗan ari ko eɗan yiltito ka nder kaka nder ndiyan ton ka yiltito ka cangol ton si tawi noon ɓe yaɗi nokkeli go foseji no woodi nokkeli go ala hay few ça veut dire que projet waɗano ɗon étude on ko ɓe arno kon ɓe taski no golle ɗen waɗirte noon ɓe tawi ala ça veut dire que mbuuɗi ala fiyo ɓe wawa wadde ko ɓe faala kon fo ɓe innay si cudda ɗuuɗa koye aafe si cudda on ɗuuɗa walotoɓɓe no ɗuuɗi koye aafe hande kadi ala ko koyeɗen tun suddete ma ɗum hoore nden tun ma ɗum rendun tun kono a wata suddade gibi ka hoore haka koyeɗe joni noon ko ɗum ɓe woni e waɗude ɗo si tawi ɓe wawno arde ɓe waɗa pression e hoore makko kanko mawɓe kankan ɓen fiyo accutu men si alpha konde ya ñawdo ɓe waɗi pression fiyo kuran on adde edg maɓɓe wonɗo on kankan non siter noon yo adde en wikkutiɗo kamin andino siter no wali yani biɗɗa onno sa yalti dabola hakkunde ɗon e biskirima ngal yani ɗon goɗɗo maayi sofer jo tawnoɗo dogini jemma e ñalorma tawi mo gongi par ce que ɓe inni ko ma hewtinoya nayo kuran on manku kankan yimɓe ɓe yaltanamin si ɓe wawi wadde on pression ɗon haɗi ɓe wawa wadde pression chantier on organisé kañum kadi to moƴƴa hara darake ko par ce que mbuuɗi ala joni noon hiɓe fokkintini ɗo kañum kadi ɓe noddino taw géranɓe banque ji ɗin fop ɓe inni ɓe walle men men hendo mbuuɗi ɓen inni aahi meɗen ñawluno on on yoɓaali men taw échéance on hewti ko honno ɗi mbuuɗi hettorto ko honno wirto yo men ƴantu woɓɓe go mbuuɗi go kadi e hoore ɗiɗa taw no teeni ronki no teenude ɓeyda ko honnum ɓe waɗi nduuɓata kurndu men ƴangani on ɗo wonɗo on ka secrétariat gouvernement ƴetti windi letter naɓanimo kanko dansa omo nanɗon ɗo ko yewti ɗo kon fewdo ka référendum on landi yawɗo wowloye goɗɗum luxembourg ɓe yinnimo yo ɓe change ɓe modifia article amendement article 36 on fi non seulement si ñawlama ñamande normalement ko duwa yoɓede ko e nder lebbi tati en andi mi waɗani noon ɗo différence entre ko innete kon bondo trésor obligation de banque kañum e ko honno modi troisième on ko honno modi ko bondo trésor obligation de banque kañum e ko honno modi oya troisième terme on ko ko modi goɗɗo wawaylan fajjitude ɗo gen blanc mais en tout cas do ko onɗon ɓuuri juutude ɓe waɗi noon ka wonno ɗon hino juuti fiyo ɓeyde kadi go'o ɗimmel muɗum ɓe waɗi hande kadi yo taw si innama ko haa ɗo ko haa ngu cogguɗo wawaton ƴettude koyo taw ɗum ɗon feƴƴitay ɓe ɓeyda kañum kadi par ce que ko feƴƴi ko 500 million e ngal ɗo noon ko 1 milliard de dollars ɓe faala c'est à dire double kamɓe tigi ɓe andi ɗum ɗon heɓota ko ɓe ɗuyti faale on ɓe arti joni 800 million
Hebe getu non non taw 500 millions be wattude don kanyun kadi 800 millions andite non hita anden taw hayde landali goy taw rowani ka be waduno dun ko mois d'octobre don non mois de mai déjà parce que ko fe inoko na requisition ko dum amodi ko kono modi mo on ko fala ka retard din den do parce que nibbi mo ya non do mi andito mo on do ko di tati mi wada ni en live ka mi speaker ni en di don kon no firi dun kon do woni bondo trésor on bondo trésor taw don ino yawi par rapport eru ma na planche une planche a bien on non ko don non jonde on e sutade bay mbudi ala ko mabbe mo ina planche a bien ko façon di leydi no nyawlorta non no eta nyawlorta no yimbe ben ko din terme ji tati din façon ji tati do andi goddo no gasa ray do wada nay on terme mais c'est pas ça le plus important ko buri hittude kon ke wondema be nyawlike be taji be tokki ha hande kadi ala ka taji ko nyawlete do non joni inni mi ala ira nyawlila saria on ko wi si mi nyawli ma hewti o saido ida duala yobitude be yenon ka assemblée be modifi fi yo dun don nattire yeso parce que be wawata yobude be nyawlo yade kan de nyawande de tawatande nebay hibe nyawlo yade kan dimbudi tawdi ko dimbur dudude parce que kon dun hebi gine rowani hibe marno deficit mo 800 millions on deficit mo 800 millions be ni be mobiliser déjà 400 millions 500 millions kambe non pardon 1,5 million on 1,5 million hibe heddori disons 6,5 million on 6,5 million be ni be jettay non joni 5 millions de dollars ka reportage do on nanay mo yewtaw ina si dun don fo hawto didi wonay 95% journaliste yo non joni landimo inni hi kono men nani wondema hidon woya de jetto yo mbudi e bankji jogodon fisi inspection ari inspection on tawa do mari mbudi ko hollon dandi lady sindi nama ko di lady wondi e gollude no way wasi a inni hida fokiti e voyage mi jetta example auto bayi en fopo en jetta e auto sofer jong hida fala yidi auto angal taw si jawa e makko ngal auto wala fala andarde pineje maggalo ida fala andarde singal mari karbira ndara kadi sofer jong ko paykum kako maudo o sofer jo himo nandama e tawdo hino laabi eske no nandama e wawdo dindo piji fo atefaydi kono goddo sino arde nyawlo ma auto hino wodi ko tefata e makko ina yugol tun kari no laba kari no borni moja alando to mokoko ari nyawla golma don eske mo mari garanti ko tawata so yobali ma hino wodi ka rewe en generalman addanay mo garanti himbe kari no andi mi sudo tako wonde adda kaydiji serema piji ma di tawata wi ay si tawi tu mi yobali rewen edun do institution internationale ji di non kanyun kadi sino arde nyawlugo leydi ma dum wadugol ndi noto innay don gollude be landoto be na bon e de hitande do bay haray on soday on wadai import export maro no doa commander carburant no doa commander equipement ji no doa commander dum do fu eske do mari ko yonata on finde hitande do en terme de devise andi ton non Mamadi Doumbou ya doubi didi no landa de devise jime won didi à l'étranger. Iw didi e min jini yu imbouri artire, yu rapatrie. Mieti yon kondu wadidu, mieti yon kamiyono Australie, kondu nabuno lang Australie. Fi affaire projeri yu tintong, e fi imbouri di one yantu de katawata don, wola ni ministri bidzi yon, gere di arta, wola ni ministri de likumif, gere di arta, conseil de ministri ji tati hanay hibe wadude. Ka woni jantude dimbudi wala ka jonnede jonnom be bittike ha be gayni bittade audio nom wonno ekutude do ka continue gol non journaliste yo non landi parce que anditen makiti on sumi hekyanki makiti motawata ko be do wona bijede so yisuva min nay julabe ben si on sorti ke hande do jonni on wakili ke wadugol ko mi wi on ko ngula mu ngu yanay onon tambi ngula o yido mi ara mi mono non ngai esa mi na modi vraiment ko non sali to non e yita o leji ndi dari no do fe no depo on sumi dun do na min darni na non darni ko alla darni be do non julabe kadi wona be wiede acce jonnugol be devise acce soutenugol be makiti on sumi ko batima mabbe on haysina kambe buri hebude bonande ton musebe antigi no tawa e bembe piji mon sumi non yo la tayin de mabbe do kono be andi so reconnaissance nyande kadi makitiji ni hobbi don no wodi sibbe amen kanyun kadi andiraabe nun dal moja e toragol alla
wobbe mabbe bonnana no kapororaay ba yite nge hubbi ka goto sikono goto yaltata be fewti Allah ka jemma do mi holla on pouvoir toragol Allah ka jemma do wobbe ari fokiti yawgol walo baybe yi ka réseaux sociaux ji makiti on dum annike wobbe wadi darde didi ka jemma don do yawde taw ka makiti be fewti Allah be ni Allah ko an hiwi men ko woni hiwde makiti on to awa wi dandude annabi ibrahima ka yite ndiyanga yite nge wonti buube ndang wonti jang e mabbe hisina men makiti jamendi ibe tawa e atibe arde hewta ben be ari be hewti be yi ko sumi don ko ngada ni wobbe ko 3 heures du matin iwi don makiti ji din baybe uddi to ibe tawno niveau ji mabbe din kambe me maka e fus wobbe kadi tawobe ko den julirde wonde pakko don parce que so ndari image din julirde no takko don ka woni hubude don julirde den di yite ko mollode den wadde don fop ko hay tolje den andade tolje julirde wonde den takko don parce que wobbe anda julirde wonde takko don den yite ngin imminge don fo konko fetti don kon fop ko bolun non tu woni hakkunde julirde den e on batiman non yite yehirale terlen don makitiji mabbe minnali do be sumani be ngoy ko yimbe be tawata ko duma ko lette Allah woni ko yani e mabbe non na dun ton ton nanu ko mi wawlaali ton interprete ko mi wawlaali o dun simi addani en aye wangal wiungal ngal hule on bone mo tawata so ari o hewtata bonnube ben tun o hewta e ben tawbe kanyun kadi be bonna jonno no way wonde be do be bonna kono piske be andi bonnube wombe mabbe wombe gollidude e laamu wombe nyawlude laamu mbudi wombe famotirde laamu ande kala suten do senerde lette Allah den si ari on ti kanyun kadi e dare Senegal e balde wonde arde do e mara do pose rapidement e yido accident ka wadi Senegal musido meden iwdo leluma juntu Allah inuma ya fo wietedo Mamadou Sello Diallo fatido ko enseignant joy ko jannowo l'école neddo momi nani buino fillo e makko piji mojjude mo weldi element jo amen ka frap jeya do wondo Senegal tom e element be frap wombe Angleterre on neddo goto accident on wadi o mai biso yani ministre de l'enseignement on wadi communiqué fi on goto maido don enen non ko yimbe jelo maido e biswal ko communication on do yudo ministère de la sécurité wadal ministère de transport wadal ministère de la santé wadal fous wadal yimbe noga e goddo mai okin communication da janno wo l'école goto mai ministre Girassion ministre Girassi na dey la men Girassi journalistion ministre jo ardi don jannobe ben himo andi o jannowo dole iwdi makko ko lagine na ay senegalais jo wiugol ko gibi ka gibi nande da nyande mi yewti non leluma e mali ko mendo fo ko yimbe tawbe be tawa administration senegal o modja o do en wono wiide ko goto mai on kadi goto mai do don ko guinéen jo d'origine mi wada ta communication kono bay on mai o windi lettre o wadi communiquer mon fop yudo men partager ka page do o yurmini fi fati don o andini delegation immike o yurmini kadi fi barmo be ko be do woni gouvernement ko be do woni etat nadi bandiji nabe criminel be won be gollidude mo tawbe ko non ko enen kadi ko enen be yawi joni non an ko operateur jo hida jettude wallitoda o anton non di tanaji do Senegal bay tun desi di wallay lagine men o kitata ko mum parce que si men noddi be do jomi men ni to be wallu ko be yata men men moja mede mari ni men hebi introduction ji njani ngula mo argo do tikala alhamdulillah rabbil alamin e be jento to men moja kadi do ni o live mo mune wadde do be darude mo be ndare mo e français be jento to kadi yer pulal mo be hoccata on do be jento to moja benana kono o yi ay sabu yer ko be woni e wiide be wallitaade lagine do kon o yi ay dal les jours à venir ka bawga kala yinno do wallito to CNRD o hebay tana en fop en nani musido meden on do e o gerto on ko hebi kon no yurmi ha ko hebi mo kon yer simple fe ko atondire e mabbe kon mi wadana mo do no waji parce que mi nani entrevue mako mo wadi on computer sa yi ay nay vraiment hino neddo gomdi nangal ko noy yaltitirta ko ni hollirte goddo same model suka on mais la un gros défaut en fop de mari Allah goy min ni ni en la ngi do reni mo yaltiti no ton kadi do rena soudi di
Kono kanko elama konka katawatarongu himo mari ngaingu ehore wapegongu ngaingu no sumi mo gitere. Mpeko mese bauri. Monandi hae mese bauri. Miandasi kubahera inandi kumene mpita wangara one kuspare. Kono wonde ngaingu ngumarandangu ngoto watawatu hae yito ya wali toda omorenu da kuhune wade konda andi no ali. Motya. Paske koko hebi moto wako mfu, sete evitable. Kono yo andu no uwe di wampe wa di dua kontru ngu la mbongo. Painungi mo filiti mo andi dua afogata. Udu wadi simieti onane. Beta obedo yite nge ngupi be wadi don darbe didi. Harle befo kiti walo ya gol. Be wadi darbe didi si bejawi kamasi njema pe ya ogol. Pe inni Allah. Ko arrenata. Ko angainata. Mentori ke ma danda menjaule amendendo. Pe ari be yutile betai Allah ko duwa danibe. Marsan gizma be. Ko hai meselung me magi. No one you know what I miss a little. Kono yaviti baudi alanding, kono yaviti kuyete dua, kono kadi yaviti kuyete kudi. Sener de kala patunirdo e sener de. Kudi ni sener de marinding, on watandi no yidet ono ya famo. Paske on rena bone mo pe onia wadeo. Fino yon famo de mo ya jango mi watana yon do live mi speak anon, se kuture kondu waduno on andai nun ku kudi niebundi bejeti do. Et ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Aucune. Par exemple, il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'est ce que tu as fait. 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 C'est ce que génération as fait. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Nani dua yeng peti bari ko yewti kondo ko wat yimbe kanko sekuture kuddi wat anindin e hore makko kanko lamu sekuture ngu njaggu e tonye ko wadi kon e yimbe tawbe ko innocent jama on fiuti Allah tori dun don wonay sept generation si iwanu sener de ari donu ino fuddita de dun don sa veut dire hibe remetude kadi konteron a zero ibe wadude ko kanko do yobe arbe moddintina ibe arde be repeta ko wadi kon. Andito non kaka troisième génération no kasa won endoni. Si en kupali dun do, ngolla sa wolfe ono do. En ya hai tala laki dun do, ko hai tani rabe meding, yi ata jang. Bi yi ata nafa, bi yi ata mwakire leiti. E ile tang, yen achu nongon hipokrizi. Ile tang, koko fokitilo yen gero dun do manno. Se revien.